Le projet Sillage, c'est un projet qui s'inscrit dans un dispositif plus large, qui est un bureau de design mobile que j'ai initié il y a 5 ans maintenant. Cette deuxième escale, qui s'implante dans les Vosges du Nord, s'intéresse en premier lieu à l'industrie verrière et aux relations qu'entretient le territoire avec cette industrie du verre. Le point de départ du projet, c'est vraiment un questionnement sur cet outil de production qui est le moule, qui est un outil industriel qui a fait partie du patrimoine de la manufacture verrière de Meisenthal pendant 3 siècles, qui a à la fois permis à cette manufacture de produire des objets pendant plus de 300 ans, à l'arrivée de l'industrialisation dans les années 60. C'est ce même outil de production qui a participé au déclin de cette activité-là. Les machines faisaient plus rapidement et moins cher ce que les ouvriers faisaient par le passé. Et j'essaie de comprendre comment pouvoir réinterroger ce savoir-faire-là de soufflage en émoule, tout en essayant d'en trouver un sens par rapport au positionnement contemporain du centre d'art verrier. En général, pour arriver à un moule, on passe par toute une série de phases de transformation, de mise au point, et une fois que le moule est réalisé, le designer sort de la partie. Ici, l'idée, c'est que ce soit l'inverse, c'est que cet outil de production arrive dès le début du projet, comme un outil de recherche, et avec lequel on va littéralement dessiner les objets. Quelque part, c'est partir d'un objet fermé et en faire un objet ouvert. C'est un moule qui est composé de différentes strates. Chaque strate est indépendante. Chaque strate est percée d'un diamètre différent. Après chaque soufflage, on va décider de réajuster une forme, d'agrandir un étage, de changer une courbe, éventuellement de complètement réorganiser l'ensemble de l'outil. Donc c'est un outil qui va me permettre de poser des questions. Ça devient un vrai outil de conversation, de dialogue avec les verriers. Et dans ce sens-là, c'est un ensemble d'objets qui témoigne vraiment d'une recherche située. Le programme suite m'a permis vraiment de développer un autre volet de la recherche qui a démarré dans un focus sur le verre et de plus en plus largement sur la vallée, sur le territoire des Vosges du Nord, sur le massif forestier. Et je me suis notamment intéressé à l'histoire des verreries itinérantes qui, avant de s'installer de manière sédentaire, comme celle du CIAV, au Moyen-Âge, ces petites unités de fabrication verrière s'implantaient en forêt autour d'un four. Et après quelques dizaines d'années, une fois que cette matière première arrivait à extinction, la verrerie se déconstruisait et se reconstruisait dans la vallée d'après. Ce qui m'intéresse là-dedans, c'est toutes les ingéniosités de construction et de déconstruction qui ont pu émerger. Je fais un parallèle direct entre ces verreries OMAD et le bureau mobile qui caractérise ma démarche. Donc le programme suite m'a permis d'envisager ce projet d'exposition comme une exposition itinérante. Et dans ce sens-là, j'ai volontairement rendu ces éléments poreux en ayant la volonté que cette scénographie accueille aussi l'environnement dans lequel elle se trouve et que l'environnement fasse partie de l'exposition. Ici, à Idem Plus Art, à Maubeuge, j'ai divisé l'exposition en 2 parties. On parcourt l'exposition en rentrant d'abord par un état de la recherche, l'ensemble des itérations réalisées en atelier. C'est vraiment une exploration, parfois uniquement de formes, parfois de formes qui tendent plus vers des usages. Et on passe ensuite dans une deuxième salle où là sont présentés plutôt des objets qui vont pouvoir être reproduits par le centre d'art verrier, intégrer aussi les collections du centre d'art verrier et sa boutique. Et donc on passe là d'un outil de recherche à un outil potentiellement de reproduction. Ce projet-là est assez particulier parce que chaque pas en amène un autre. C'est un projet qui se poursuit en 2 temps. Le premier est assez immédiat, ça va être un travail avec le centre d'art verrier pour éditer certains des objets. Et d'autre part, on travaille en ce moment sur une édition, sur un livre qui va permettre de parler de ce que les objets ne disent pas, de parler de cette recherche sous-jacente sur le milieu des Vosges du Nord, de manière un peu plus large que le verre. Dans un temps plus long, cette recherche qui a démarré sur le verre a fait émerger d'énormes problématiques en fait sur la filière du bois. Et c'est ces tensions-là que je m'apprête à continuer d'explorer. C'est un projet qui est en perpétuel mouvement.